La neige a fait son apparition à Pékin. Dans la ville, la plupart des commerces sont au chômage technique. Seuls quelques habitants sortent de chez eux, avec leur indispensable masque. Cette épidémie est un gros problème. Nous ne pouvons pas travailler, donc nous n'avons aucun revenu. Je préfère travailler plutôt que rester à la maison et ne rien faire. Une ville presque déserte. Dans les rues de Pékin, la sécurité sanitaire est toujours à l'œuvre. Thermomètre dans la main, cet officier contrôle la température des habitants. Plus au sud de la Chine, la circulation est fluide dans les rues de Shanghai. À cause du coronavirus, la plupart des entreprises ont fermé provisoirement leurs portes. J'avais prévu d'aller à l'Apple Store pour voir leurs nouveaux produits, mais tous leurs magasins sont fermés en Chine. Je n'ai rien à faire à part rester chez moi. Il n'y a que les supermarchés qui sont encore ouverts. C'est bien si vous voulez vous faire à manger, mais pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Face à l'épidémie et pour répondre à cette crise, la banque chinoise va investir 156 milliards de dollars dans l'économie du pays.